Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, à Minecraft, on va faire le bloc d'alimentation. Alors, comme vous pouvez savoir, dans les Call of Duty World at War et Black Ops, si on l'active, ça active. Je sais pas si ça active des portes. Moi, j'ai fait que ça active des portes, mais ça active Pack-a-Punch et les atouts, donc Juggernaut et double tap, etc. Et c'est ce qu'on va reproduire pour dans notre vidéo. Bon, ce que vous pouvez faire en extra, réinstaller un spawner si vous voulez vraiment faire une bonne map opérationnelle, je vous le recommande. Et aussi, vous faites le même système des portes comme j'ai fait. Et bon, on va tout avoir ça là. Ok, fait que on passe à l'électricité et on va faire Juggernaut. Alors, ça va être ma première fois. J'ai déjà construit le bloc d'alimentation et un peu des fils. Bon. Ce qu'on va faire, c'est juste on va mettre une extension comme ça pour mettre Juggernaut. Mettre un peu de bloc comme ça. Tac, tac, tac. Alors la petite vente, c'est juste pour faire passer l'électricité, ou non, c'est pour mettre le distributeur. Alors c'est la première fois que je vais faire Juggernaut. Je sais pas si ça va être beau, je vais juste mettre une lumière pour voir si... Ah! C'est pas beau! Bon, c'est pas bien grave. Bon, le truc qu'on va faire, c'est que quand on va activer l'électricité, on va pouvoir allumer notre atout. Mais si on ne l'active pas, on va pas pouvoir l'activer. Parce que si on met juste un petit bouton sur le côté, ben on peut l'activer tout de suite. Fait que ce qu'on va faire, juste installer le distributeur. Ce qu'on va faire, c'est juste, on va le mettre un peu plus loin, le bouton, comme pour faire en sorte que ça prenne pas, comme vous pouvez voir, ça prenne pas le distributeur. On va mettre ça ici. Et ensuite, on va encore utiliser un système avec des pistons pour avec l'électricité pour que l'électricité puisse passer. Donc, juste installer mon fil. Parce que, ouais, le fil de redstone. Là, j'ai installé bloc. Tac, tac. On va juste installer une potion pour être sûr que ça marche bien. Tac, tac. Juste monter ça assez haut pour pouvoir mettre un piston comme ça. On va prendre notre redstone, torche de redstone. Je sais pas si on va avoir besoin de notre... Oui, on va avoir besoin de notre torche de redstone, je pense. Tac, tac. Et voilà, il y a beaucoup de répéteurs, mais on s'en fout. Et voilà. Alors, quand que le piston, s'il n'y a pas le piston, vous allez voir que ça va pas marcher. Et c'est encore là. Et s'il y a le piston, ça va marcher. Non, petit test. Qu'est-ce qui se passe? Ok, oui. Bon, là, on active ça. What? Ah, ok, ouais. Faut juste qu'on installe un répéteur avant d'installer. En avant notre bloc. Comme ça, c'est sûr que ça va marcher. Alors, si c'est là, clouc, ça va marcher. Alors, voilà. Alors, je suis retourné dans mon autre map zombie, tout simplement pour faire la pack-a-punch. Alors, ce que vous allez avoir de besoin, c'est les escaliers de sapin, des médailles de sapin, escalier de grès, deux médailles de grès,
Ensuite, vous allez aussi avoir besoin d'une table d'enchantement et d'enclume. Et aussi la lumière sous-marine. Juste prendre le reste de mes objets. Ouais, c'est tout. Fait que là, on va installer la petite table de bois de sapin. Vous pouvez installer n'importe quel bois, ça va, je pense que ça va faire le même effet. Comme ceci, une à l'envers de ce côté et l'autre de l'autre côté. Oui, maintenant on va juste creuser pour installer nos deux objets. En fait, nos objets, les lumières et table d'enchantement et enclume. Bon, je vais juste prendre le bloc du mur pour le refaire. Installe table d'enchantement au milieu et les deux enclumes de chaque bord. Maintenant, on installe nos deux escaliers demi-dalles et dalles en haut. Voilà. Bon, maintenant on passe à la box. Alors, j'ai déjà commencé à installer le mur et le rayon laser. Alors, pour le faire, vous avez juste à faire une petite pyramide comme ça, vous attendez un peu et le laser va sortir. Et maintenant, on va juste reboucher. Je voulais juste aussi vous le montrer sans la pierre. Et voilà. On va installer... la raison pourquoi on peut pas installer le coffre comme ça, c'est juste que pour tout installer la redstone, de un, ça bloque au niveau du verre, il n'y a pas de communication, je pense. Et de deux, ben c'est assez compliqué à faire. En tout cas, de mon avis, si l'électricité. La deuxième manière de le faire, ce serait comme installer le truc de redstone comme ça, mais ce serait bien trop compliqué. Fait que on va tout simplement le faire sur le côté. Wow. Vous êtes obligé d'avoir un coffre piégé pour ça. Sinon, ça va juste pas marcher. Non. Ça va, ça, si je pète ça, ça va être déconnecté. On va juste enlever ce bloc là. Attendez, je vais juste prendre ma redstone comme ça. Ouais, on va péter ça. Oui, ça communique. That's it. Donc là, on va juste faire une espèce de petite boucle pour que notre distributeur arrive en plein là. Fait que on va juste connecter notre redstone à notre distributeur. Ça devrait marcher. Oui, that's it. Bon, histoire que tout marche bien, je vais vous montrer la raison pourquoi ça marche pas avec le verre. Vous allez voir. C'est juste que ça communique pas. Tac tac. On refait encore. Tout ce qu'on a fait et aucun signe de vie. Fait que ça fait plus beau, oui, mais ça marche pas. On va juste réinstaller ça comme tantôt. Tiens, comme ça. Tac, tac. On va juste installer. Là, faites bien attention. Vous êtes vraiment obligé de tout. Faut que le distributeur soit entouré de blocs. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va vous garocher le bloc. Et même si ça aussi c'est tout bouché, comme ça, ça va marcher. Tac. Pouf. Et voilà. Maintenant qu'on a tout terminé, j'ai décidé d'aller dans ma map pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors, vous installez des coffres avec les armes ici et vous activez
Et on va juste regarder si toutes les spawns marchent comme du monde. Ouais. Bon, là, je vais juste m'en aller. Comme le levier caché. Wow. Pas mal de ennemis qui arrivent. Ta-ta-ta-ta-ta. On a lu là-bas. Bon, je vais tenter de vous montrer. Wow. La box. Je peux pas vous montrer. Pack à Punch car j'ai pas le levier pour m'en aller là-bas. Sinon, je pourrais vous montrer. Alors, les spawns et wow. Non. Ah! Bon, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et on se voit pour une prochaine fois.